d'édition de Histoire de ma vie, c'est déjà quelque chose de complètement dans l'esprit casanovien. C'est extraordinairement riche en rebondissements extraordinaires. Et la première édition de Casanova, elle était en réalité en allemand. Et elle a commencé à circuler en France et elle a finalement intrigué le public. Et on s'est aperçu qu'il y avait une édition d'origine française. Et donc on est revenu au premier texte et il est apparu comme trop plein d'italianisme et il avait une sorte d'étrangeté, évidemment, puisqu'il était écrit à l'origine par un Italien. Et il a été corrigé par un professeur, le professeur Laforgue. Et c'est cette édition qui a d'abord circulé en France, à l'exception de l'édition Brockhaus Plomb, qui est sortie dans les années 60. Et donc, l'authenticité de Casanova, c'est comme frayer un passage à travers beaucoup de malentendus. Et maintenant, il y a l'édition Lafon, complète, et à l'horizon, l'édition de la Pléiade, qui je crois sera prête en 2012, fin 2012 ou 2013. Mais c'est une longue histoire pour que le verbe authentique premier de Casanova émerge. Casanova, c'est un personnage qui est exaltant, je crois, parce qu'il accepte, à travers Histoire de ma vie, il accepte les modifications de lui-même et il se vit comme en perpétuel apprentissage. Il a une formule qui revient après les épisodes importants où il écrit souvent « J'ai changé de système ». J'adore ça. Il change de système, il repart à zéro, il remet les cartes sur table et il se lance dans une nouvelle aventure. Donc c'est à la fois un roman d'apprentissage où quelqu'un comprend de mieux en mieux la scène du monde et sa complexité, et en même temps un roman picaresque où à chaque nouvelle ville, à chaque nouvelle histoire d'amour aussi, le personnage renaît. Et le mélange des deux est très très exaltant. Donc Casanova, il est né en 1725, à Venise, et il est fils de comédien, ce qui lui donne une double appartenance au théâtre, puisque Venise, c'est la ville du théâtre. Et par sa famille, il est encore plus inscrit dans ce milieu. Il va très vite être séparé de sa mère, qui va, pour des motifs de carrière, le laisser dans les mains de sa grand-mère. Et il va être élevé par cette femme qui l'adore. Et c'est très important parce qu'il va croire vraiment, il va comme faire partie de la mentalité vénitienne, quelque chose entre église et théâtre. Et il aura toujours cet ancrage dans un fond de superstition, tout en étant parfaitement homme des Lumières. Il est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas des contradictions. Et ensuite, il va faire des études, des très bonnes études, sur les souhaits de sa famille, il va d'abord embrasser la carrière ecclésiastique, avec le succès que vous pouvez imaginer. Et peu après, il va choisir la carrière militaire, ce qui va l'amener à Constantinople. Et là aussi, il a vraiment un mauvais rapport à l'uniforme et un rapport catastrophique à la discipline. Je crois qu'il ne comprend même pas ce que ça peut vouloir dire. Et il rentre à Venise, et là il y a un très joli épisode où il se fait faire un uniforme de caprice. Il se fait faire coudre un uniforme magnifique, et on lui demande « Mais à quelle armée vous appartenez ?» Et il dit « À ma cause, à ma propre cause. » Et à partir de là, il a compris quelle était sa vocation, c'est celle de l'aventurier. Et en tant qu'aventurier, va commencer une errance qui ne s'arrêtera que très tard, le plus tard possible, quand il aura découvert que d'abord il ne séduit plus au premier regard, et ça va avec l'argent qu'on peut avoir par hasard, en jouant, en se faisant protéger, l'argent n'arrive plus. Donc
quand il comprendra ça, il va chercher un emploi fixe et il va le trouver comme bibliothécaire du comte de Waldstein en Bohême, pas très loin de Prague. Mais entre-temps, il aura parcouru la France, bien sûr, qui est son lieu d'élection, c'est pourquoi il écrit en français aussi. L'Espagne, parcouru et reparcouru l'Italie, l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne aussi extrêmement souvent. Donc il est là, il est vraiment l'Européen par excellence. Et il est un personnage passionnant parce que il est quelqu'un qui à la fois a rencontré et s'est mis en rivalité avec des charlatans comme Cagliostro ou le comte de Saint-Germain, et qui a pratiqué dans la même direction qu'eux, c'est-à-dire en promettant des choses invraisemblables, comme la vie éternelle, ou bien de renaître en garçon avec la marquise d'Urfé, ou bien de la découverte de trésors. Et en même temps, il est un grand lecteur, un admirateur de Voltaire, il va lui rendre visite, il rencontre Rousseau, il lit toutes les nouvelles publications, il croise d'Alembert, et quand on le lit, on comprend que, il écrit lui-même un traité de mathématiques, il est passionné par les découvertes récentes, il est aussi passionné par le pouvoir de l'intellect et par la force que donne le déchiffrement du monde. Mais en même temps, et c'est dans son dialogue de Voltaire, et je trouve que c'est un des plus beaux moments dans ce dialogue, il dit à Voltaire, mais quand vous aurez chassé la superstition, par quoi vous la remplacerez? Et c'est une phrase d'une profondeur extraordinaire. C'est aussi pourquoi il commence d'écrire Histoire de ma vie en 1789, et ce n'est pas complètement un hasard. Il est très ébranlé et très meurtri par tout ce qu'il va apprendre sur la Révolution française, surtout au fur et à mesure de son avancée vers la Terreur. Et cette idée d'une raison triomphante et qui doit coûte que coûte s'imposer, et même par les sanctions, les meurtres, etc., lui fait horreur. Je pense que pour lui, la raison, c'est ce qui nous permet d'aller mieux, de nous sentir mieux, d'agrandir notre monde, mais ce n'est pas du tout une arme. Il y en a plusieurs.